Et yo tout le monde, c'est Night, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Atlas. Épisode je ne sais plus combien, c'est. Et j'espère que vous allez bien, moi je suis chaud. On va continuer cette aventure sur Atlas en mode exploration des ressources. On était en pleine exploration, je me suis découvert sur le pôle Nord, au pôle Nord. Mais je pense qu'on va devoir bouger. Je crois qu'on va devoir bouger d'ici parce qu'il nous faut des gemmes. Et je crois que les gemmes ici, il y a soit de l'opale, mais c'est l'opale que j'ai déjà récupéré, soit de l'émeraude, quoi, des émeraldes. Mais il y en a très peu, il y en a très très peu. Putain, il n'y a pas beaucoup de ponts aussi, c'est chiant. Mais bref, on va se casser d'ici. Je pense qu'on viendra, mais plus tard, beaucoup plus tard, pas tout de suite, hein, en Arctique ou au pôle Nord. Pour farmer les baleines. Il y a des baleines à farm aussi. Ce serait une grosse aventure aussi, les baleines, hein, j'ai hâte. Mais on n'est pas du tout équipé pour ça. Là on est vraiment surtout en mode sous-marin. Ouais, on est lourd, hein, franchement. Ouais. Faut que je fasse gaffe au poids. Mais ouais, c'est un peu compliqué parce que plus vous êtes lourd, plus vos déplacements sont plus longs. Et. Si vous trouvez des galions d'Amned ou des putains de bateaux devant vous, vous êtes dans la merde. Hein. Donc du coup là, je peux tracer tout droit. Attendez, il y a un portail. Tout Uncharted. Je crois qu'on va aller Uncharted. Je sais pas où ce que ça nous mène Uncharted, mais je crois qu'on va y aller. On va se taper un bon tout droit là. Le vent est pas fou, mais tant pis, on va faire avec. Et on va voir où ça nous mène. Ouais, il nous faut gemme et peut-être un truc de quartz. Mais le quartz, je pense qu'on peut se démerder avec les géodes. Les géodes, vous les cassez et vous pouvez avoir du quartz dedans. Donc le quartz, je crois qu'il nous en faut pas beaucoup. Hein. Quartz... Ouais, il en faut 30 et il en faut deux types. Bah, je crois que j'ai les deux types en plus. J'en ai ramassé là déjà, mais je sais plus c'est quoi comme quartz. Bah, c'est du cristal qu'il faut, donc c'est du quartz. Organic dust, c'est bon. Oil, c'est bon. Gemme, ouais, il faut les gemmes. L'alloy, je pense que c'est bon aussi. Je pense que l'alloy, on a... L'alloy, je crois que c'est bon. L'alloy... non, c'est pas ici. Ah ouais, je peux regarder, je crois. Je peux interagir, mais je peux rien faire. Donc ouais, l'alloy, on a le silver, on a ça. Avec le truc de copper, ouais, on en a trois, c'est bon. J'ai pris de l'iradium en plus, là. En plus, c'est du métal. On va pouvoir se faire des bons crafts, logiquement, qu'on va rentrer à la case bas. À la base, on va pouvoir faire des bons crafts, je pense. Avec les blueprints, tout ça, qu'on a stocké chez nous. Qu'est-ce qu'on... Il y a les cartes aussi que j'aimerais bien faire. Et les cartes... c'est en quelle région, les cartes? Les cartes. Bon, on a toujours la G3, c'est vrai, à la maison. Hein. G13 à la maison et il y a celle-là. Celle-là, c'est en J7. J7, c'est pas. C'est dans le désert, je crois. Ouais, c'est pas ici. Hein. C'est pas du tout ici. Bon, on verra. De toute façon, on va les stocker, on les garde. Même la carte verte, je crois que j'ai une carte verte sûrement aussi qui est intéressante. Qui est en B10. B10, je crois que c'est en Arctique. Hein. B10. Ouais, B10 ici. Ok, donc. Ouais, je pense que quand on reviendra. Avant, je me rappelle, à l'époque, les cartes avaient une dégradation. Ils se dégradaient et on pouvait pas les garder à l'infini. Là, apparemment, je vois rien. Je pense qu'on peut les garder à l'infini. Ouais, le temps qu'on veut. Quoi. On n'a pas de limite de temps à les faire, donc c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était chiant. Hein. On pouvait pas... Ils nous mettaient une pression, c'était genre, il fallait les faire vite, les cartes. C'était un peu relou. Et là, je crois qu'ils ont enlevé ça et c'est plutôt une bonne chose, je pense. Ou du moins si... ouais, non, attends, right click. Ouais, non, je pense que c'est bon. C'était indiqué dessus normalement. Donc en vrai, ça devrait être bon. Donc c'est plutôt cool, ouais, si on passe dans des régions, on va essayer de garder les cartes de toute façon. Sur le même bateau, sur le schooner, je pense. Parce que pour le moment, on va l'utiliser que celui-là. Quand on aura les 10 000, on fera la brigue. Galion, c'est... Le galion, je pense que ça sera un kiff parce que... Il faut tellement de bots, il faut beaucoup de PNJ, il faut beaucoup de ressources. Bon, les ressources, en vrai, je pense que le galion, on peut le faire farmer easy. Mais c'est après, c'est l'entretien, en fait, si vous voulez, le galion. Et tout seul, ouais,
Non, c'est faisable. Non, mais rien que les. Non, frère, je pense que c'est juste rien que les PNJ, frère. Il y en a beaucoup trop. Et ouais, non, c'est galère. Ouais, il faut beaucoup de gold aussi, bien évidemment, hein, pour payer les bots. Non, en vrai, je pense que le gagnant, ce sera vraiment du très late game. Je pense qu'à la fin, on sera un kiff, on fera un gagnant tout seul. Quand vous jouez solo comme ça, genre, ça sert à rien d'avoir un gagnant. C'est très beau, c'est très stylé. C'est fat, j'avoue. Mais après, il y a d'autres bateaux qu'on va sûrement construire, hein. Parce qu'il y en a plein que je connais pas. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté du contenu, ils ont rajouté des bateaux, mais on va voir ce qu'il vaut. Parce qu'il y en a, ils ont l'air pas mal, et d'autres, non. Le Kraken, là, franchement, le Kraken, il me fait de l'œil. Il a l'air vraiment intéressant. Donc, avoir le Kraken, peut-être on fera Brig, et après Kraken, tu vois. Mais Kraken, je crois que c'est déjà un truc de combat. Mais de toute façon, je pense que les bateaux, ça va être tous un peu des bateaux polyvalents, j'ai envie de vous dire. Mais je pense que, ouais, la Brig, ça sera combat, polyvalent et peut-être même axé sur les baleines. Tu vois, genre, je mettrais peut-être des balistas dessus pour farmer les baleines. Donc, à voir aussi, on verra. Celui-là, pour l'instant, il va garder. On va l'utiliser encore, hein, celui-là, pendant un bon moment, je pense. Le petit schooner. Level 28, hein, mine de rien. Il a bien XP. Bah, il faut fight, hein. Tu fight. Tu peux le maxer très facilement. Il y a des techniques, hein. Vous allez dans les Golden Ruins et vous pouvez fighter des gros monstres, mais on va pas le faire pour le moment. Mais il y a des techniques pour XP encore plus. Que ce soit le perso ou le bateau. Mais le perso, c'est plus compliqué parce qu'il faut des barils et les barils, je les ai toujours pas. Je pensais aussi à un truc aussi. C'est vrai que pour les cartes, ce qui est très fort, c'est quoi? Ce qui a l'air très fort, c'est les grenades. Mais les grenades, pour le moment, j'ai pas les skills, hein. Genre, j'ai 10 points là. Et les greux, c'est dans. C'est. Non, c'est pas là-dedans. C'est là-dedans. Voilà. Ils sont là, les grenades. 10-10. Il me faut 20 points, les gars. 20 points. Et ça fait beaucoup, 20 points. Hein. Mais je serais tenté de le faire parce que ça a l'air cheaté. Pour faire les cartes, imaginez. Genre, j'ai même plus besoin de prendre un Teddy sur moi. Juste, j'ai mes greux. Je me craft mes greux et je les fume. Donc ouais, je me tâte. Je me tâte. Il y a plein de manières de façon d'aborder les ennemis, votre gameplay, genre il peut varier, genre si vous êtes. Genre il y a même les armes, hein, les armes à feu. Hein. Les armes à feu qui sont ouf. Voilà, dans les ranges aussi, les pistolets, tout ça. Bon après ça coûte des points tout ça. Hein. Mais j'aimerais bien. Ouais, il y a le Unnatural, il y a le Hydra Revolver que j'ai jamais testé. Je sais pas ce qu'il vaut ce Hydra Revolver. Mais ils ont même mis le Unnatural Hydra maintenant. Il doit être encore plus fort. Il y a le carabine que j'utilisais beaucoup, et maintenant il y a aussi l'industrial rifle. C'est des armes qui sont très intéressantes, quoi, qui m'intéressent. Mais il faut des points. Hein. Il y a les balistas, voilà, genre, il faudrait que aussi, il me faut ça pour chasser les baleines. Les balistas. Flame balista, je crois que c'est nouveau, non? Je sais pas, ça me dit rien, flame balista. Harpon. Harpon aussi, c'est nouveau, que j'ai pas testé le harpon. Hein. C'est quelque chose. Peut-être pour vous, c'est pas nouveau, hein, mais moi, je vous rappelle que j'ai joué très quoi, au tout début en early quoi, du jeu. Et j'ai joué ouais, peut-être un an, je crois. De 2018 à 2019, je crois, j'ai joué au jeu. Non-stop. C'est très joli la neige aussi, comme ça, il n'y avait pas avant. C'est très beau. Ça, c'est nouveau aussi. Hein. Ah, c'est joli, j'ai envie de faire un beau screen là. Donc ouais, je suis content, il y a pas mal de trucs à faire. Il y a pas mal de trucs à faire de toute façon sur le jeu. Puis en progressif, je suis content aussi de voir qu'on arrive quand même à avancer solo. Faut savoir que moi, genre, j'ai beaucoup joué en solo à l'époque, mais je ne savais pas si c'était faisable encore quoi, de continuer de le faire en 2002, 2022, le jeu en solo. Tu vois. Et je suis agréablement surpris de voir qu'on peut le faire en solo. Le jeu, il n'y a pas de souci. Hein. On peut se lancer tout seul.
Donc je pense que ouais, je vais tracer là et je vais essayer de continuer ce truc de faire des vidéos plus courtes, quoi. Plus courtes, ouais, c'est, tout est relatif, hein, mais des vidéos environ de 50 minutes, 50, 55, dans un délire comme ça. Donc je vais essayer de continuer de faire de plus travailler les vidéos, en fait, de faire plus de cuts. C'est pas trop mon domaine, hein, genre je suis pas très à l'aise dans. C'est des gameplays, je fais des rushs de plus d'une heure, hein, donc si vous voulez, ça demande beaucoup de temps et j'essaie de garder ce truc de faire des vidéos un épisode par jour. De vous proposer un épisode par jour, donc ça prend beaucoup de temps et parce que j'ai d'autres choses à faire aussi à côté, donc c'est pour ça que j'essaie de faire au mieux, les gars, j'espère que ça vous plaît quand même. Et puis voilà, ouais, je vais cut là-dessus et je vous reprends après le portail, je pense, ou jour, ouais, un truc comme ça. Je vous reprends après, les gars. Alright, guys. On est arrivé dans une nouvelle région. Alors, la région, nous sommes Uncharted 6. Attends, il y a un petit descriptif, je pense, marqué là. Golden Stretch of Water. Okay. Donc, ouais, une région où ça a l'air d'une sorte de toundra, je pense, qui fait froid et tout. Ouais. C'est moins froid que le pôle Nord, en fait, si vous voulez. Donc, de ce que j'ai vu sur mon site, là où je vous ai parlé dans la précédente vidéo sur les ressources, tout ça, ici, apparemment, il y a beaucoup d'émeraldes, des émeraudes, tout ça. Donc, c'est parfait, c'est ce qu'on recherche, on va voir. On va un peu fouiller l'île, on va un peu explorer tout ça et voir ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Est-ce que je répare des trucs ou pas? En vrai, ça peut faire. J'ai ça avec moi au cas où. Ouais, on va y aller comme ça. Et à la recherche des émeraudes. Ça a l'air très stylé. J'aime beaucoup le. Ouais, ça change. Je sais pas à quoi ça ressemble en plus les caillasses là. C'est quoi ça? Ok, ça c'est. Je trouve ça beau, hein, j'avoue. Puis il y a personne, je suis tout seul connecté dans la région. J'ai pas vu énormément de construction, donc. Regardez-moi ça comme ça. Regardez-moi ça comme ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors, il est où l'émeraude là? Y a pas beaucoup de bestioles aussi, non? Je vois rien. Et on a un ourson. On explore tranquillement. J'essaie de bien regarder partout. Pas mal de caillasses, hein. Après, l'île est vachement grande, donc oh non, oh non, pas ça. Oh. En vrai, ça va avec la lance, c'est gérable. Qu'est-ce que c'est relou, les abeilles là? Bah, l'île est vachement grande, donc ouais. Il me faudrait une. Ouais, mais une bestiole, j'allais dire, ouais, il me faudrait une bestiole pour naviguer, comme explorer rapidement les îles, mais avec les portails que je prends, je peux pas, je risque de les perdre, c'est relou, hein. C'est vrai qu'ils fixent ces histoires de portails.
Alors, il y a un mec qui a mis un, quand même un truc ici. Il y a de l'activité. Ah, quoique. Demolish 2 days. Ouais, il l'a mis à la sortie. Oh, non, il l'a mis il y a longtemps. Quoi. Ouais, il l'a mis il y a quelques temps. Après, il s'est pété le mec. C'est un truc. Ouais, caillasse basique. Il n'y a pas trop de construction. Il n'y a rien ici. Hein. C'est que de la caillasse. Non, franchement, les îles comme ça où il n'y a pas trop de construction et tout, je kiffe. C'est en fait ce qui tue un peu la nature du jeu, c'est que quand tu arrives sur le serveur officiel, t'as tous les mecs, tous les gars qui ont commencé le serve. Ils sont tous installés sur les premières îles, c'est ça full lag, ça. C'est des constructions de partout, des constructions partout, ça donne pas envie en fait. Tu dis ouais, c'est éclaté. C'est chum. Là, tu vois, il y a juste 2-3 petites constructions, des mecs qui sont installés. Ah oui, il y a juste un... Il y a du bateau là. Putain, relou, ouais. C'est assez grand à visiter. Là-bas, c'est de la flotte. C'est de galère d'accès. Je vais essayer de faire le tour, ouais. Ok, les gars, j'ai enfin trouvé ces petits émeraudes là. Oh là là, regardez, t'es ma hauteur, t'es ma tout ce que j'ai gravé les gars. Oh, il fallait escalader de fou, j'ai cherché mais partout sur toute l'île. Non mais regardez, genre j'ai fait ce trajet là, j'étais là, je suis parti ici, j'ai rien trouvé. Je me suis dit merde, c'est quoi ce truc, je suis parti par là, hop, merde, mais y'a rien, je suis parti par là. Y a des mecs, y'a une base ici, ils ont fait mais un truc de fou, un élevage frère, y'a que des ours partout, toutes les bestioles, tout ce que tu veux. Les mecs ici, ils sont trop énervés. Ils ont des statues de tic frère. J'ai jamais vu ça, des statues de tic. Comment ça se fait qu'ils ont des statues là? Ça sort d'où ça? Je vois même pas les crafts et tout. Dites-moi les gars si vous connaissez les statues là, je sais pas comment ils ont fait ça. Même des lumières chinoises, tu sais, les petites boules rouges là. Et c'est nouveau ça, ça sort d'où? Ensuite je suis passé par là parce qu'ils ont fait des chemins partout. Je suis pas dit, ah, tac, et je me dis, merde, je cherche ici, je trouve pas. Vas-y, j'escalade. Et paf. Et ouais, parce que des fois, oh, regarde, ils ont mis même le truc juste à côté, tu vois. Genre, bah. Et ouais, c'est ici en fait. C'est ça qu'on veut. Tu vas en prendre masse. Ah ouais, c'est extrêmement rare quoi. C'est rare, c'est bien caché. Si, mais après, genre, des cailloux comme ça, franchement, les trouver par terre, ça aurait été bizarre, tu vois. Genre, c'est vrai que c'est une bonne. C'est vrai, ça paraît obvious que ça soit sur les gros rochers comme ça, tu vois. Donc, en vrai, on se met bien. On va pouvoir se barrer. Est-ce qu'on peut se barrer en vrai? Entrer à la case bas, faire les crafts. Je crois qu'on peut. Hein. Je crois qu'on peut se casser à la case bas. Je vais récupérer tout ça. T'as pas fait, je vais bientôt sneaker. Ouais, franchement, je vais prendre un max parce que je vais pas m'amuser à revenir. À me balader juste pour récupérer des gemmes, tu vois. On protège ça. Ça. Ouais, ça dégage. Ça dégage. Moi, je vais prendre max. Hein. Ouais, ils ont mis le truc juste à côté. Ils sont archi bien. Hein. Ah, bah, je suis content. Voilà, j'ai les 3 types de gemmes. J'ai quoi? J'en ai assez à la maison. Hein. Je crois que c'est... De toute façon, il en faut 30, je crois. De chat. Il faut pas énormément de... Oh merde. Oh fuck. J'aurais bien pris plus. Je peux en prendre. Ouais, ça marche, mais j'en ai moins.
J'ai pas une... Putain, je devrais en avoir deux sur moi, des pics, là. J'ai deux haches, mais j'ai pas deux pickaxes. Fuck. On va finir avec ça. J'en aurai moins. Mais c'est pas grave. Non, franchement, enfin, il était temps. Donc, tu vois, en vrai, le site, il marche bien pour les ressources. Après, pour certains trucs, genre les cursettes, tout ça... Ouais, frère, que. Ouais, si je trouve un truc d'altar sur le chemin, je passerai peut-être dessus. Voir si ça marche. Et ce qu'il y a dessus. Il y avait quoi d'autre? Ah, les trucs industriels aussi, ouais. J'avoue que j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé les trucs industriels aussi. Il faudrait. Ouais, ça, on verra plus tard, ces trucs-là. J'avoue, c'est pas mal, mais. Rocket. Qu'est-ce que c'est, là? Ok, ça, c'est d'iron. C'est des gros rochers d'iron. Ok, lourd. Direction bateau, on se casse, les gars. On se casse d'ici. Et puis, ouais, direction la base. Allez, donne-lui tous les trucs et tout. Alors, dégage, hop, le bateau il est où? Il est sur la gauche. C'est par là en face là? Ouais, je crois que je passe en dessous. Ouais, je crois. Hop. Let's go! Attendez. Ah, parce que ça c'est chiant à chaque fois. Oh merde! Je vais tenir avec sa hache dans la main là. Bah bah bah! Oh, je pourrais faire un screen comme ça. Non! Mon screen! Pas mal, pas mal, pas mal. C'est un peu galère. Non, propre l'île, hein. Elle est bien. En fait, j'ai abordé l'île là où il y avait pas grand chose, mais de l'autre côté, masse construction, les mecs ils sont. Puis c'est une île tranquille en fait. Hein. Franchement, en vrai, elle est morte. Ouais, j'avais plus de stam. Ouais, l'île elle est vachement tranquille. Il n'y a pas assez. Bah, si, sur bah, justement le côté derrière là, il y a des tigres et des lions, mais sinon, il y a des coins de l'île où il y a hyper calme, il n'y a rien du tout. Incroyable. Donc, alors, est-ce que je fais le truc? Ouais, non, je sais pas. Enfin, non, je pense pas que ce soit une fin de vidéo ici. Non, non, je vais continuer à naviguer. Ouais, direction le bateau. Je vais peut-être faire un cut. Yeah. Ouais, je vous reprends sur le bateau, les gars. Bon, de retour sur le bateau, les gars. Alors, on va déposer ce qu'on a looté, hein, les petites ressources. Ce qu'on a looté, ce qu'on a farmé plutôt. Masse de gemmes. On est bien, on dépose ça. Ça là, ça aussi, ça aussi. Du coup, on a tout ça. Ouais. J'ai pas mal de trucs en vrai. Hein. Je suis assez content. On a du coup ouais, on a des gemmes, deux types de gemmes différentes, on en a aussi à la base, donc ça devrait le faire. De l'iradium, on a des bois différents aussi, j'ai chopé du bois différent, on a du fer différent aussi, du silver. En vrai, j'ai ouais, 500 plus 245. Le truc, le seul problème, je me dis, c'est ça en fait, est-ce que j'ai assez de fer? Assez de silver.
assez de silver pour faire les lingots. Parce qu'il m'en faut 108, hein. Il m'en faut 108 et admettons, j'ai ouais, quand même, je pense que j'ai assez là. Je peux m'en faire 108 avec ça, tout ça. Là. En vrai, ouais, je sais pas. Non, je pense que en vrai, on est bon. Hein. On a chopé ça aussi. On a du flint un peu différent. On a pris du sel. Un peu de cristal. Ouais, je crois qu'on est bon. Hein. Ah, ouais. Je me tâte à prendre d'autres trucs, hein, mais en vrai, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. On va naviguer. On a un bon vent. Oh, le vent là. Ouh, plutôt pas mal. Alors, la question, c'est comment je fais? Ça. Allez là. C'est pas genre c'est profond là. Okay. Alors, on a du trajet je pense. Hein. En vrai là je pense qu'on a pas mal de trajet. On a le portail à gauche. Je vais manger là. La bouffe c'est un peu la merde. Hein. Je cache pas que je me tâte à faire des cultures aussi. Faire un petit potager limite à la base aussi. Parce que j'ai ramassé pas mal de graines et peut-être me pencher là-dessus pour avoir des bonnes bouffes. C'est vrai que c'est un peu relou là hein, au niveau de la bouffe. Est-ce que je prends le portail? To North Pole. Et là, Arctique. Je pense d'aller en Arctique. Arctique, ça nommait quoi? Mais là, Up North Death. To South America. Ouais parce que genre c'est bizarre comment c'est fait genre attendez. Ah ça c'est le pôle là. Non il y a l'Antarctique. Au pôle et après si j'arrive au pôle ici je vais arriver là je crois. Après t'as Paul, North Pole, tout central. On va essayer de voir. Ça a l'air galère quand même. Parce que je sais pas comment ils ont foutu la map, c'est différent. On va essayer de suivre avec les portails. Oh, je vais avoir le problème des textures, ça c'est chiant ça. Bon après c'est juste de la déco roco pour récupérer les textures, mais c'est relou. Au niveau des bottes, on est comment? Ils crèvent de faim ou pas? Ils commencent à crever de faim. Après ça va, mais... Alors il y a un truc que je comprends pas, c'est que j'ai XP le... J'ai mis des talents là pour payer les mecs plus tard, le plus tard possible. Et là ils me disent toutes les 2 heures je lui donne un gold. Ça fait beaucoup quand même. Toutes les 2 heures frère. Alors que j'ai mis le skill. J'ai mis celui-là. 10% et 10%, ça genre. Further increase de intervalle. C'est l'intervalle entre toutes les demandes de paiement. Des mecs de crew. Ah, peut-être que je me suis trompé, hein. Peut-être que c'est pas ça, ça a rien à voir, mais pour moi c'est ça. Et toutes les 2 heures, c'est chelou. Donc on va faire un petit peu de navigation. Oula, la pluie qui arrive, la tempête. E11, ouais, donc le pôle Nord. Donc je sais pas si je dois partir le truc central, je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Voir tout dépend du vent de toute façon. On voit rien du tout. Ok, donc c'est derrière moi. Au pôle, il fait froid.
Tac. Ah, c'est plus sur la gauche. Je sais pas, je crois que c'est. Je suis pas sûr d'avoir le vent en vrai. Hein. C'est un peu relou. Ouais, je crois que j'ai pas du tout le vent. Hein. Je crois qu'il faut que je fasse demi-tour. J'aurais une case de plus à faire, mais au moins j'ai le vent. Là, sans le vent, je vais galérer. Hein. Attendez, admettons. Si je me mets dans cette direction-là. Non, si je me mets un peu à droite, ouais, je peux. Ouais, le vent, il va tourner et pas pour moi en plus. Si je me mets dans cette direction-là. Ouais, non, je suis vraiment pas bien. Ah non, hein, tant pis, j'aurai une case de plus à faire. Tant pis, tant pis. Tac. On va passer comme ça. Et après d'aller de l'autre côté. Si ça marche, hein, si ça se trouve, ça met à un autre endroit. Je sais plus comment ça marche, hein, leur truc. Hein. Logiquement, ça devrait me mettre de l'autre côté. Hein. On va voir. J'ai le truc de speed ou pas? Ah, il est au-dessus. Et il est même pas dans mon sens en plus. C'est dommage. Bon, let's go pour la navigation, les gars.
Ok les gars, enfin arrivé à la maison, il était temps. Waouh, incroyable la traversée que je viens de faire. J'ai passé au moins peut-être ouais facile 2-3 heures. Ouais, on va dire ouais facile 3 heures. Vous savez quoi, 3 heures de navigation là avec le bateau pour aller retourner à la Casbah. Enfin j'arrive. J'ai essayé en fait, si vous voulez, j'ai essayé de partir dans un freeport et tout, de prendre des portails, il y en a qui marchaient pas et tout, c'est une galère. Je suis arrivé même à Tortuga, mais j'ai eu tellement peur de poser l'ancre là-bas parce que, genre, en plus, j'ai même vu un bateau couler encore devant moi. Genre, je me suis dit non, je m'arrête pas. En vrai, je reprends un portail, mais j'ai essayé d'aller dans un autre freeport, mais impossible d'arriver à Rokikov. J'arrivais pas à aller là-bas. J'ai essayé des portails et tout, ça marchait pas. Et donc, du coup, ça m'a saoulé. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, je me repars, je me recasse, je vais direction la base, hein, tout simplement. Pour sécuriser le stuff que j'ai là. J'ai tellement de ressources sur moi, sur le bateau, que non, trop de risques, c'est bon, vas-y. Donc ouais, 3 heures de navigation, enfin arrivé. Ça fait plaisir. Oh là là, comment ça... Oh là, ma base, elle m'a manqué, mais c'est un délire. Hein. Ah là, on jette l'ancre. Oh, Last Chance qui est toujours là. Je me suis posé la question, mais peut-être que le Last Chance, je vais peut-être le transformer en bateau rapide. Hein. Franchement, j'enlève les voiles, j'enlève les trucs de stockage et tout, et puis je garde le schooner en mode polyvalent, vous savez quoi? Franchement, je le mets en mode polyvalent. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais avoir besoin de Tada. Tout le monde est encore en vie là, comment ça se passe à la Casbah? Ouh, tu crèves de faim toi, miskin. Mon petit flipper. On va te mettre de la viande. Tu bouffes de la viande toi, non? Tu manges quoi toi? Des oignons? Patates? Non. Des berries? C'est comme ça. Toi. C'est la fin, toi. Mon petit cos là. J'ai pas de la viande. J'ai pas de viande. Où sont mes bestioles? Ils ont pas de taille quand même. Tada, elle est là. Tada, elle est un chop, c'est pas possible, c'est un ourson, t'inquiète, level 50. Elle représente le terre-terre. On va te mettre allez, hop, des HP, c'est quoi? On va prendre tout ça et on va les déposer, faire de la place. On va laisser ça dessus. Hop. Il faut tout décharger. M'organiser un peu, ça fait bizarre de retrouver la base, putain. On va même profiter pour déposer les cartes, les machins. Ça je vais les canons là. Mettre là-dedans parce qu'il faut que je crafte aussi. Il va falloir que je crafte. Mon Tiger là. J'avais pas un Tiger? Si, la rouquine. Where is the rouquine? Ah, mais c'est pas fait déboîter. Je cache peut-être. Merde, on a peut-être perdu la rouquine. Mes piaf, ils sont toujours là. Nice. Ok. J'avais mis un truc là-bas, je sais plus c'est quoi ça. Pourquoi j'avais foutu ça là? Il y a rien dedans, ouais, il marche même pas le truc. C'est quoi? Or miner. Ouais, mais il y a rien, il n'y a pas de mine.
Ça va servir comme déco, hein, parce que... Ça servira de déco. Ouais, bah je vois pas de rookie, tant pis. Let's go, Tada. Et ouais, je serais bien parti dans un freeport là, prendre des skins et regarder s'il y a des shops ou quoi, des trucs. Oh, nice. Ah. Okay. Alors. Ça va être long. Oh putain, tout ce qu'il y a. Oh, c'est tellement beau, c'est magnifique. Si je fais ça. Il est déjà plein ? Oh, il est déjà full là. Ouais. On va peut-être pas prendre ça, ça on va le changer de place. On va le changer de place. On va foutre ça là. Même si ça me prend trop de place, 70 et tout. Ah si, quoique. Oh, ouais, si, il me les faut. Il me les faut, il me les faut. Je peux pas les stocker sur le bateau, ça sert à rien, ça prend du poids. Ride. Ok, je peux pas. Faut que je... Ouais, faut que je prenne des trucs. C'est de s'organiser. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre ça. Je vais dire tout simplement qu'elle me suive. Logiquement, je peux bouger là. Allez. Voilà. On va faire comme ça. Je pense que je vais tout stocker dans le gros coffre, le coffre de ressources en premier. Je vais pas mettre dans le smithy tout de suite. Oh, comment ça fait plaisir de retrouver la base! Oh là là, j'ai trop de temps. La navigation, l'exploration, c'était assez balèze. Vas-y, je vais vider déjà ce que j'ai. Tac, je vais tège ça ici, allez. Hop, hop, hop. Je vais même tège ça là. Il faudrait un truc pour la bouffe, j'ai... Ouais, j'ai rien... On l'attend. C'est quoi, on va mettre ça là pour l'instant. Il faut que... Ouais, il faudrait que je m'occupe de la bouffe, mais je pense que ça sera pour le prochain épisode, peut-être la bouffe. On verra ce que je fais le prochain épisode, mais... Ok, alors là, ça va être chaud. Tout ça. Petit transfert, et ouais, là, ce qu'on va s'occuper, c'est déjà voir les lingots pour crafter le sous-marin. Non, lock. Hop, on fait ça. Alors, j'ai deux trucs sur moi. Puis, ouais, je vais garder ça sur moi, c'est bon. Et ouais, peut-être transformer le Last Chance en mode... Bateau de course, il faut que je parte au Freeport, hein, genre... Ah, je pense que si, ouais. Franchement, en vrai, le prochain épisode, je pense qu'on va faire la carte bleue, là, en G machin. Pour pouvoir faire la brigue. Non, mais... Laisse-moi passer, s'il te plaît. Faire la brigue. Eh ouais. Tac... Ouais, franchement, la carte bleue, je pense que il faut que je crafte
Je pense que j'ai les ressources qu'il faut. Il va falloir que je crafte le pompe bleu pour faire plus de dégâts. Ouais, peut-être une armure. Je sais pas si je peux me faire une meilleure lance. Un meilleur stuff. Je vais chauffer silver, c'est des gemmes. Ah, il faut de la Kiara, mais ça c'est bon, on a pas mal. Kiara, ouais, l'argent. Kiara et des gemmes. J'ai 2000 de celle-là. Ouais, de l'émeraude. Ouais. J'en ai 1500. Paf. Ah oui, j'allais dire merde. Ok, 100. Ok, j'ai mangé assez. Je vais même en faire 108 piles. 108 piles. Donc en vrai, on a du. Ça. Ah, c'était le quartz. Alors, quartz, il me semble que c'était 30. Ah, putain. Quartz, c'est galère. Parce que là, j'en ai 99. Ah, si, non, il en faut 3. Il en manque un. Ah, putain. Il en faut 3, il me semble. Hein. 3 de quartz ou 2? Est-ce que j'ai pas de géode? Ah, fuck. Je crois pas avoir de géode là. Métal. Iron tingle. Ah ouais, ça c'est le truc de base. Je peux pas crafter avec ça, ok. Ouais. 135. Ouais. Est-ce que j'ai... Je pense pas, hein. J'ai plus de géode là. Je vais aller dans l'autre smithy peut-être. Ah, attendez, j'ai ça là. Alors c'est, j'ai cette gemme là. Et non. J'ai pas. Merde, putain. Je vais pas pouvoir le crafter tout de suite. C'est chier. Faut que je tape de la caillasse. Que je tape de la caillasse. Ouais, celui-là j'en ai déjà masse, c'est pas sûr. Ouais, il me faudrait peut-être celui-là. Ouais, parce que là j'ai celui-là. Ouais. Tac, tac. Ouais, il me faut cela une. Je crois que c'est 30. Je vais regarder vite fait. Putain, ma rouquine là. J'ai plus ma rouquine. Elle s'est fait déboîter. Ah, elle est là la rouquine. Toujours envie. Alors. Ah, oh, putain, j'allais voir 14 et j'allais dire oh, nice, mais non, pas du tout. Il faut 14 gemmes, c'est... Ouais, les gemmes, il en faut pas beaucoup. Putain, mais 30 de cristal, 30. Holy shit, man. Alors, de la caillasse. Est-ce que ça donne de la gemme, ça? Du 7. Parce que c'est tout ce qui manque, hein, du... Il faut du cristal. Putain, ouais, il m'en manque pas beaucoup. Hein. Ouais, que ouais, il faut que je farme encore plus de.
Ouais, je regarde aussi les ressources que j'ai sur mon île. Exactement, sur le, justement sur le site. Hein. Le site là qui donne les ressources. Perfect. Allez, donne plus de géode là. Bon, je pense qu'on va... Ouais, je vais continuer à farm. On va se quitter là-dessus, les gars. Hein. On va terminer l'épisode là-dessus. Et ouais, il faut que je farme un peu les cristaux. Ok, donc fin d'épisode ici. Là, on est mieux. Du coup, je disais, ouais. Prochain épisode, craft du sous-marin. Ensuite, on va essayer de crafter aussi le pont bleu. Et on va faire la carte bleue aussi. Prochain épisode, ce sera la carte bleue. On va essayer de se focus sur la brigue, essayer de crafter le port. Le shipyard qui coûte 10 000 balles quand même, hein, c'est pas n'importe quoi, 10 000 balles le shipyard. Et crafter ça, crafter le port, transformation du last chance, et puis c'est tout, il me semble qu'on va se baser là-dessus. Ah aussi, ouais, le potager, peut-être qu'on va faire aussi, on va essayer peut-être de faire de la bouffe et tout, voir ce qu'on peut faire aussi dans ce domaine-là, prochain épisode. Donc j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu les gars, prenez soin de vous, c'était Night, peace.